Mesdames et messieurs, bonsoir, en direct de la mairie de Montréal. Je suis avec la récipiendaire du prix 2017 de l'Ordre de Montréal, la fille de Mme Jackie Desmarais. Bonsoir, Mme Desmarais, vous allez bien? Mais très bien et très heureuse d'être là pour représenter ma mère. Bien sûr. Vous devez être encore dans le deuil, c'est certain, mais merci d'être ici. Comment vous vous êtes sentie ce soir à la mairie? Très honorée. Déjà, c'est la première fois que je rencontrais la mairesse, donc j'étais vraiment très honorée. Et ça permet aussi de continuer les souvenirs de ma mère. Et je me sens vraiment humble de pouvoir recevoir de telles récompenses pour tous les bienfaits qu'elle a fait pour Montréal et partout, en fait, dans le monde. Et tout à l'heure, vous avez dit si je suis encore dans le deuil. Je crois que le deuil va nous rester pendant très longtemps parce que c'est quand même un gros morceau, une grande partie de ma vie et de la vie de beaucoup de gens autour de Montréal qui est parti. Mais au moins, elle nous a laissé tellement de souvenirs que partout où l'on va, on sait qu'elle est là. Donc, à quelque part, ça nous fait du bien et surtout, elle a retrouvé mon père. Donc, à quelque part, ça nous réconforte énormément. Et dites-moi, l'art et la culture a été le cœur de la vie de votre maman et de votre père, si important. Aujourd'hui, qu'avez-vous à dire aux gens qui ont justement encouragé toutes les fondations de Mme Jackie Desmarais, en terminant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné pour les causes culturelles, que ce soit au musée de Charlevoix, que ce soit les artistes peintres, les enfants malades. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui ont toujours suivi votre famille, qui vous ont envié, mais qui... Qu'on ne les laisse pas tomber, surtout. Je pense que c'est vraiment très important de savoir qu'on ne laisse pas tomber tous ces gens à qui mes parents ont énormément aidé. D'ailleurs, mes frères et ma sœur et moi, nous continuons dans d'autres directions, mais avec... en donnant énormément, donnant du temps, donnant... Je coupe un peu la fin en me disant, vous savez, l'autre jour, ma fille m'a demandé, « Maman, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? » Et je lui ai répondu, sans y penser, « C'est quand je fais un chèque à la Fondation. » Parce que moi, je supporte une fondation qui m'est très, très chère, qui est la Fondation Jasmin Roy. Et donc, je pense que je peux terminer en me disant, on vous oublie pas. On est toujours là. Je vous remercie beaucoup et surtout félicitations à Mme Desmarais. Merci. Et à toute votre famille. Merci, Mme Desmarais.